L'actualité des idées aujourd'hui. Qu'advient-il de nous lorsque la Terre nous manque On en parle avec notre invité, le philosophe écologiste Glenn Albrecht, professeur à l'université de Murdoch en Australie. En 2003, il théorise la solastalgie, concept sous forme de néologisme pour évoquer une forme de nostalgie, exprimer notre angoisse face à un environnement familier de plus en plus altéré. Son nouvel essai, Les émotions de la Terre, est à la fois la somme d'une vie de recherche et un ouvrage d'une terrible actualité, alors que que l'Australie a été ravagée par les mégafeux depuis plusieurs mois, des mégafeux alimentés par la sécheresse et des températures records, il tire la sonnette d'alarme et appelle surtout à repenser notre relation au vivant, à la Terre, dans cet ouvrage qui paraît aux éditions Les Liens qui Libèrent. Bonjour Glenn Albrecht. Bonjour et bonjour à votre voix française, Michel Slotowski. Bonjour. bonjour. L'Australie, Glenn Albrecht, est aujourd'hui le grand zéro de la catastrophe climatique, dit-il. Dans une tribune parue dans le New York Times, traduite dans le dernier numéro du nouveau magazine littéraire, votre compatriote, l'auteur de La route étroite vers le nord lointain, l'écrivain prix Booker Richard Flanagan, juge le gouvernement australien responsable d'un Tchernobyl climatique. Est-ce que vous êtes aussi sévère que lui je le suis, je pense que Richard Flanagan écrivait non seulement pour les Australiens, mais pour tous les gens autour du monde qui deviennent impatients avec l'inaction politique. Face à ce qui devient des désastres mondiaux. Et les feux en Australie étaient sans précédent. On n'a jamais eu une telle sévérité, une telle échelle d'incendie dans l'histoire de la colonisation européenne de l'Australie. Vous dites du jamais vu, Glenn Albrecht. Vous êtes. Euh... Originaire, où vous vivez aujourd'hui dans la région de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, région où l'état d'urgence a été déclaré. Qu'avez-vous vu autour de vous Qu'est-ce qu'il y avait de si massif, de si inédit dans ces méga-feux Ces grands feux étaient sans précédent dans leur étendue. Et simultanément, ils ont couvert euh, l'Australie occidentale, l'Australie du Sud, la Nouvelle-Galles du Sud, le Victoria, la Tasmanie et une partie du Queensland. Ça couvre une zone qui est de la taille de plusieurs pays européens. Le, la mortalité bah, s'est élevée à des millions euh, d'animaux, de, des dizaines d'êtres vivants euh, et des milliards de vertébrés et d'invertébrés. Donc ce que moi j'ai vu des feux, c'est que ça a commencé à un moment d'intense chaleur, d'intense sécheresse. Nous vivons dans un paysage dominé par l'eucalyptus. Simplement un coup de foudre, une allumette, et là c'est la conflagration. Mm. Quelles conséquences ces incendies ont-ils eu ou vont-ils avoir Est-ce que vous parleriez déjà d'un désastre écologique et humanitaire au jour d'aujourd'hui C'est une des catastrophes, c'est une catastrophe. Et une des conséquences c'est l'éveil des Australiens face à la gravité de ce qui est en train de se passer. L'Australie a dirigé le monde dans le domaine du scepticisme et du déni du changement climatique. Nos dirigeants politiques, à l'ombre de l'énergie fossile, n'ont jamais voulu changer la position économique qui était la leur. Et pourtant, les Australiens, en général, les deux tiers ont été directement ou indirectement affectés par les feux y compris la fumée, qui est un grave problème. Ils ne veulent pas changer, les dirigeants. Et l'avenir proche va voir euh, l'émergence d'une nouvelle euh, éveil politique en Australie, qui rattrapera celle du reste du monde. Nous sommes tout à fait en dessous, intellectuellement aussi, autant que géographiquement avec des voix qui s'élèvent néanmoins aujourd'hui comme la vôtre, Glenn Albrecht, ou celle d'un autre philosophe australien, Clive Hamilton. Il avait marqué les esprits avec son requiem pour l'espèce humaine dans le monde récemment. Il a dénoncé comme vous le climato-scepticisme institué jusqu'au sommet de l'État australien, des responsables, des dirigeants qui refusent de voir le réchauffement comme cause première de ces feux. Alors sommes-nous, sont-ils en plein déni climatique Scott Morrison, qui est le Premier ministre... De depuis 2018 et qui a été euh, sa majorité élue hein, par le, le peuple australien. Vous dites là, on est dans une phase d'éveil. Scott Morrison, c'est un peu pour comprendre, pour nous, nous expliquer euh, le, le Trump australien sur la question climatique Malheureusement, votre définition est exacte. Scomo, comme on le surnomme en Australie, eh ben il est parti en vacances pendant que les feux de brousse faisaient rage. Avec sa famille, il est parti à Hawaï en vacances. Mais depuis son retour, je pense qu'il y a eu un éveil. Les gens endormis se sont réveillés, effectivement. Et le résultat, c'est que la politique change. Je suis d'accord avec le fait que ce soit l'Australie qui ait dirigé le monde dans le domaine du déni du scepticisme. La définition. Le Clive est très juste. Ce que je voudrais ajouter, c'est que ce que Clive Hamilton a analysé, c'est que nos politiciens n'ignorent pas le problème. Ils ne sont pas dans le déni. Ils ont une logique économique qui ne peut pas coexister avec l'action contre le changement climatique. C'est l'admission du fait que la croissance sans enfin, qui détruit l'environnement et les communautés où les gens vivent, est désirable pour eux. Et la vallée du Haut-Hunter, cette zone de mines de charbon à ciel ouvert, c'est comme un sacrifice humain, si vous voulez, en quelque sorte. On laisse faire pour le bien de l'économie mondiale. Ces gens savent ce qu'ils font. Et pourtant, ils il nient à leurs propres enfants la possibilité d'un avenir. Ce qui le rend extrêmement pessimiste, hein, Clive Hamilton. Lui, il dit qu'il faut faire le deuil de l'avenir, que d'une façon ou d'une autre, maintenant, euh, nous devons commencer à imaginer un nouvel avenir sur une terre de plus en plus chaude, une terre de plus en plus hostile à la vie humaine. Est-ce que vous, vous n'êtes pas quand même, Glenn Albrecht, un peu plus optimiste que lui C'est-à-dire que vous pensez qu'il est encore possible de s'en sortir, qu'on peut restaurer le lien qui nous unit au vivant, grâce, et on y vient, à des valeurs et des émotions positives I'm becoming impatient with the Moi, catastrophe je suis impatient face à l'école du catastrophisme. C'est une façon de suggérer que nous resterons dans un état d'anxiété. Permanente ou de paralysie permanente. Moi, je suis un optimiste sans relâche. Et la raison pour cela, c'est que nous, nous avons cette vague, vague de pessimisme, cette vague de gens qui disent que l'éco-apocalypse arrive. et bien, c'est une raison supplémentaire de lutter contre so my, cela. My pe pessimism Mon pessimisme est repoussé par le fait que nous pouvons au moins créer un avenir qui ne soit pas euh, la fin extrême du, du spectre. Je crois aussi qu'avec une transition rapide de l'anthropocène vers ce que j'appelle le symbiocène, on peut en fait inverser beaucoup des changements négatifs qui se sont produits au cours des trois euh, siècles passés voilà donc la solastalgie, ce concept que vous avez forgé, glenn albrecht, euh, qui exprime donc cette nostalgie, cette angoisse que nous avons face à cet environnement euh, à la dérive. la solastalgie n'est pas forcément le premier pas vers la collapsologie, hein, cette théorie de l'effondrement. C'est un concept politique. Si, si vous, vous ressentez la solastalgie, c'est-à-dire le, le, le mal du pays alors que vous êtes chez vous, par contraste, la nostalgie, c'est un mal du pays quand vous êtes loin de chez vous et que vous souhaitez rentrer chez vous. C'est la raison pour laquelle moi j'ai créé ce néologisme, Solastalgie. C'est une forme de mal du pays, alors que vous êtes chez vous et que c'est votre maison qui est en train de vous quitter. Et ça se produit avec les mines à ciel ouvert, le changement climatique, euh, des projets de taille mondiale, globale. Si vous vous sentez solastalgique, ça signifie que vous avez en vous-même un endroit que vous aimez et qui a été violé. Le résultat, si vous voulez guérir de votre solastalgie, eh bien, il faut faire face aux forces qui mènent à cette mélancolie, à cette détresse, au sujet de votre endroit, de votre, bien, de votre état mental. Donc, la définition même de la solastalgie implique direct. Une, une attaque, attaque directe contre les forces qui détruisent votre identité, identité, votre lieu, votre santé. Donc j'ai toujours que pensé que la solastalgie peut être guérie. Ça implique la restauration, la création d'endroits répare une identité, l identité et, et ce sens d'attachement que les gens ont à des, qui des lieux de qu'ils aiment beaucoup. Et ces méga-feux qu'on évoquait, Glenn Albrecht, d'une ampleur inédite, ont permis euh, notamment l'éveil des consciences aujourd'hui en Australie. Ils ont permis aussi euh, certains constats, comme celui que développe à l'instant la philosophe française Joël Zask, auteur de « Quand la forêt brûle », un livre paru aux éditions Premier Parallèle. Ils ont permis de réaliser que ces feux brûlent surtout là où la culture ancestrale a disparu en australie ces feux dirigés ou cet écobuage a été l'un des moyens privilégiés de gérer la biodiversité d'éviter les grands feux euh, de, de favoriser la pousse des plantes dont se nourrissent telles espèces d'animal, de favoriser l'apparition de la patate de brousse et de toutes sortes de légumes dont les aborigènes se nourrissent et du coup effectivement semble-t-il là où il y a le moins d'aborigènes là où la culture aborigène a été la plus détruite c'est là où ça brûle le plus en même temps et cette corrélation elle est très importante mais c'est vrai aussi dans les landes c'est vrai également en Angleterre c'est vrai en Sibérie c'est vrai bien sûr en Amazonie c'est vrai en Indonésie c'est-à-dire que partout où on détruit les cultures locales alors la forêt brûle c'est-à-dire que, que l'écocide est un ethnocide enfin il y a quand même cette relation euh, qui est très très forte aujourd'hui et c'est ça qui révèle aussi ces méga feux cette relation entre l'écocide et l'ethnocide entre l'homme et le vivant et la terre vous l'a faites aussi hein, glen albrecht à quel point sommes-nous liés? Nous sommes profondément liés à la diversité de la vie. Et c'est reflété dans la, dans la diversité des cultures humaines, des langues humaines et des façons humaines de coexister avec le reste du vivant. Il y a beaucoup de façons d'être humain. Ce que nous faisons, c'est que nous aidons à l'extinction de beaucoup de choses, l'extinction des cultures, des langues. J'écris aussi sur l'extinction de nos émotions. Émotionnellement, nous sommes incapables de nous relier aux choses qui disparaissent devant nos yeux. J'observe les indigènes sur la façon dont nous, nous pouvons être humains et la diversité dans le monde. Qui euh, s'efface avec le gigantisme et le mondialisme. Nous essayons d'avoir une seule façon d'être humain. Les aborigènes d'Australie avaient des façons intelligentes et sophistiquées de gérer le feu. Et nous avons changé le euh, paysage. Et donc leur savoir ancestral est devenu redondant et très difficile à appliquer. Comment peut-on gérer un paysage qui brûle tout au long de l'année Nous avons maintenant des feux en hiver. Comment pouvons-nous faire pour éviter que ces feux d'été soient aussi destructeurs Nous voyons désormais des feux d'hiver en, en Californie, des feux d'hiver dans des lieux où il n'y avait jamais le feu. Donc, nous avons créé ce nouveau monde avec des effets totalement indésirable. Je crois, crois qu'heureusement, qu il y a toujours lieu, même en Australie, pour que ce savoir ancestral soit appliqué, où l'on peut à nouveau tenter de gérer les extrêmes. Mais tout dépend de la gestion du changement climatique. Si on continue de se réchauffer, si les sécheresses augmentent, alors il n'y aura plus rien à faire. Ce sera un désastre permanent. C'est une des raisons pour lesquelles moi je rejette les aspects négatifs. On a du travail à faire et on doit le faire rapidement. D'ailleurs, vous dites. C'est intéressant parce que les, les hommes se sont d'abord coupés du ciel, ensuite ils se sont coupés de la terre. Là où justement, dans, dans certaines cultures euh, aborigènes d'Australie, il n'y a pas cette rupture entre le ciel et la terre. Hein. Chez les bourrons que vous êtes euh, allés, vous avez étudié leur manière de vivre, leur manière de croire aussi, vous montrez comment les étoiles sont liées aux créatures terrestres, hein. comment euh, euh, l'oiseau est, est lié euh, à, à la terre. Hein. Mm -hmm. Je crois que c'est un savoir qui est toujours valable, dont on peut apprendre. Il y a certaines constantes qui sont encore dans nos vies, en dépit de notre tentative d'homogénéiser et de globaliser tout ce qu'il y a sur Terre. Si nous sommes véritablement intelligents, pour rendre justice à notre appellation d'Homo sapiens, eh bien, il faut regarder ces rythmes de la nature. On appelle ça de la phénologie. Et construire notre propre agriculture, notre propre économie autour de ces rythmes, de ces modes qui existent. Et en raison du fait que nous tournons autour de notre axe et que nous, nous faisons des révolutions autour du soleil et que la Lune tourne autour de la Terre, il y a, il y a des flux, des flux temporels. Ça passe du micro, comment nos corps réagissent au, au rythme circadien du sommeil jusqu'aux saisons, les marées et, et d'autres constantes. constantes. Ce sont des, Ce des choses sur lesquelles on peut construire parce qu'ils qu ne vont pas changer quoi que nous fassions au climat. Il faut a comprendre where le climat, emotions, le rétablir et on sera avec des bonnes émotions, de la bonne science, nous travaillerons ensemble much better future pour avoir un bon the avenir. The et ne pas suivre ce que disent les, les collapsologues. Mmh. Votre livre est, est un délice pour les linguistes, il doit l'être également pour les traducteurs et je me tourne vers Michel Slotowski qui est avec nous d'ailleurs vous, vous présentez à la fin du livre un, un glossaire parce qu'il y a beaucoup de mots nouveaux, de mots composés, de néologismes ou de mots anciens qu'on avait perdus euh, euh, dont on avait perdu l'usage hein. on peut trouver mermérosité, on peut trouver psychothératique on peut trouver bien sûr votre solastalgie qu'on a déjà évoqué, euh, soum biocentrique, euh, soum biologie et toutes ces composantes que vous avez euh, vous-même travaillé. Je ne sais pas comment, Michel, vous pouvez traduire d'ailleurs euh, de l'anglais en français. Est-ce que vous réinventez un autre langage quand vous lisez les, les mots de Parce Glenn Albrecht Fort heureusement, le traducteur a, a, a mis dans le glossaire et a traduit, la traductrice je pense a, a mis le... Les bons mots en français que nous utilisons pour suivre la pensée de, de Glenn Albrecht. Donc pour pouvoir lire, comprendre et traduire, vous avez vous aussi appris ce nouveau langage, Michel Slotowski, Les Émotions de la Terre, c'est le titre de cet essai de Glenn Albrecht, Des nouveaux mots pour un nouveau monde. Pourquoi nous faut-il de nouveaux mots, Glenn Albrecht Pourquoi est-ce qu'il faut créer des mots pour décrire ces sentiments euh, que nous ressentons ou que nous avons Oublié euh, que nous avons déjà ressenti dans notre histoire, dans l'histoire de l'espèce humaine. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je le fais. La première, c'est le sous-titre du livre, c'est des nouveaux mots pour un nouveau monde. Si nous avons créé un nouveau monde qui, est, qui nous crée en particulier des problèmes de santé, des problèmes de santé mentale, eh bien, nous n'avons pas d'expérience du passé pour avoir les mots nécessaires aujourd'hui. Pour, for everyone, I give the example of the Pour chacun, je donne l'exemple des Inuits Ugyanatuk, et de, du mot Ugyanatok, qui signifie un ami qui agit de façon bizarre. C'est un mot culturel. Quand votre uh, ami uh, you, deviendrait quelqu'un de difficile, par exemple quelqu'un qui uh, a bu un coup de trop et qui agit de façon imbécile, eh bien, comme le monde a changé, comme l'Islande et euh, comme beaucoup de ces terres ont changé, eh bien, les glaces ont fondu et ils décrivent le climat et leurs alentours comme Ouganatok, comme si c'était un ami qui avait changé. Il agit de façon imbécile. Donc voilà un peuple qui est célèbre pour euh, ses mots pour des centaines de mots pour décrire la qualité de la neige et il n'avait pas un mot pour décrire le changement climatique donc ces changements sont mondiaux sont puissants et le résultat, résultat c'est que nous, nous sommes dans une situation semblable à celle des inuits, des inuits. nous avons un monde que nous n'arrivons pas à décrire dans nos, nos langues et que nous puissions partager. Donc c'est une des nombreuses raisons. Une autre des raisons, c'est que les mots que nous utilisons ne sont plus euh, à leur place, et ils sont abusés euh, on, on les a, par les gens qui les utilisent de façon abusive, encore une fois. La durabilité, la résilience. Ils sont utilisés comme termes pour maintenir le système dont on voudrait se débarrasser. La résilience euh, perverse, eh c'est quelque chose qui devrait effectivement euh, on doit se débarrasser. Nous avons un président des États-Unis actuellement dans la politique, c'est la résilience, mais face au changement climatique. Ben, C'est une admission de défaite. C'est une ordonnance pour ne rien faire. Dans ce que nous on a vu avec les mots qu'on a tenté d'utiliser pour expliquer et pour décrire et pour changer nos façons de faire et d'être. Eh bien, ce sont les forces du mal qui se les sont appropriées et qui nous mettent dans le dilemme dans lequel nous nous trouvons voilà d'ailleurs le développement durable que vous évoquez euh, vous racontez dans ce livre que vous y avez cru au départ vous avez nourri des espoirs dans le développement durable avant de réaliser que c'était un leurre que c'était probablement des mots vides des mots creux mmh. euh, et vous l'écrivez à votre ma à manière hein, c'est les, mmh. les principes du développement durable n'éveillent pas d'émotions terranescentes et sont trop facilement récupérés par les forces théraftoriques mmh. Yes, the, the L'idée uh, que l'on peut euh, surmonter tout no content, si le développement durable n'apporte n'a pas de, 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 de sens, eh bien, on peut peut-être sentir l'écocide, et eh bien. Voilà, il y a des émotions qui sont créées et on devrait créer des émotions contre les terraftoriens, c'est-à-dire ceux qui détruisent la terre. Fora » signifie destruction, ceux des destructeurs de la terre. Donc. Eh bien, c'est eux qui prennent le pouvoir et franchement, ils créent plus de dégâts que ce qu'ils en ont fait jusqu'à présent. Il faut repenser nos relations à la vie. En tant que résultat, j'ai créé le symbiocène et d'autres concepts qui nous donnent une différente vision du monde et aussi une vision de l'avenir qui est optimiste. Donc, la pensée symbiocentrique doit être opposée à la vision anthropocentrique. Le symbios signifie vivre ensemble. Pour l'instant, l'anthropocène parle d'êtres humains. L'anthropos, c'est en partie la raison pour laquelle nous sommes arrivés à cet état pré-apocalyptique. Nous avons été égoïstes, autocentrés la pensée symbiocentrique et de prendre en compte les intérêts de toutes les formes de vie intégrées, interconnectées, qui font cette chose merveilleuse que nous appelons la planète Terre et la rendent possible. C'est un joyau unique dans ce que l'on pense être un cosmos sans vie. Un univers peut-être sans vie. C'est quelque chose de très spécifique, très spécifique à ce lieu et on doit le protéger. Ma mission donc est d'améliorer notre compréhension de la vie, en commençant par le bas et en allant vers le haut. On l'appelait vraiment au niveau de. de on l'appelait les, les, les racines, mais maintenant on l'appelle le microbiome. Alors, on y vient parce qu'il y a aussi une nouvelle manière de considérer le, le, le territoire, de se relocaliser ou plutôt de se bio avec vous et votre pensée, Glenn Albrecht. Nous sommes tous devenus des terraftoriens, des destructeurs de la terre. C'est effectivement euh, l'autodestruction et la séparation qui poursuit une fin totalement irrationnelle qui caractériserait à vos yeux notre ère, l'anthropocène, cette ère dans laquelle nous vivons, d'où votre appel à changer d'air, à passer à, à l'ère du. Du symbiocène, comment y parvenir, comment construire ce grand récit culturel qui invite tous les humains à, à recréer, à repenser leur avenir ensemble. On en parle avec notre invité, le philosophe écologiste Glenn Albrecht, pour quelques minutes encore, auteur de Les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde, un ouvrage qui vient de paraître au lien qui libère France Culture. Il est 13h21. France Culture. La grande table. Olivia Gessbert croissance et progrès. Nos émotions sont basées sur ces notions parce qu'on a perdu ce lien au vivant, parce qu'on a perdu ce lien à la nature. Et c'était cette perte d'un savoir-faire ancestral que les aborigènes ont longtemps incarné et tenté de défendre qui nous amènera peut-être tous à notre perte. Comment repenser notre rapport au monde dans lequel nous vivons, à nos émotions, être à l'écoute du vivant C'était déjà le plaidoyer en 1984 d'un film que vous avez peut-être vu, Glenn Albrecht. Euh, le film de Werner Herzog, Le pays où rêvent les fourmis vertes, présenté à Cannes en 1984, qui racontait comment au cœur de l'Australie, euh, le pays avait été perçu, et notamment sur les terres ancestrales des Aborigènes, comme un nouvel Eldorado pour l'homme blanc qui a voulu y imposer euh, euh, ses mines pour euh, y extraire de, de l'uranium. On va écouter un extrait de la bande-annonce de ce film avec ce dialogue entre un Aborigène et un entrepreneur venu d'ailleurs. We're going to be blasting again soon. You've got to move. Boom, boom, quick, quick, understand? This is the place where the green ants dream. Ants! Green ants! Dreaming here? Well, it's not visible. But there's nowhere else in Australia where the Earth's magnetic field is so abnormally distorted. And you've measured that? Oh, yes, yes, of course. And because the green ant is the only living creature on Earth. With a sensory organ attuned to magnetic fields, like a, a small green living compass. Hold! Oh! Oh, turn that off! That's what I'm taking care of this! You tell me, what is it, Landrat act? Because we have been here for 40,000 years, longer than you camps. Well, that's an option we've not considered, naturally. But you must absolutely understand that we will take legal steps. Voilà, face aux machines, l'homme qui entend défendre les fourmis vertes sur son territoire demande Qu'est-ce que cette loi territoriale Parce que nous, on est là depuis plus de 40 000 ans. De quoi nous parlez-vous euh, Dans cet ouvrage, Glen Albrecht, vous proposez un retour à la tribu, ou plutôt au territoire, parce que pour vous, la communauté mondiale, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous appelez les biorégions, voire les sous-biorégions c'est une position très difficile à expliquer. Euh, les êtres humains en tant que tribu. L'insard projette toujours une image de xénophobie que certaines personnes repoussent d'autres personnes. Toutefois, les sociétés traditionnelles aborigènes en Australie accueillaient les visiteurs. Elles accueillaient aussi les anciens prisonniers qui s'échappaient des prisons et qui recherchaient un refuge dans les régions communautaires. Ces gens ne pouvaient pas se nourrir, ils ne pouvaient pas trouver d'eau, ces nouveaux arrivants. Les aborigènes les accueillaient. Si et seulement si ces gens-là vivaient selon les principes de leur tribu et de la région. Ce qui signifie qu'il faut apprendre. Dans les deux sens. Il faut apprendre la faune, la flore, il faut apprendre les règles qui gouvernent la vie sociale. Et si vous vous assimilez, vous êtes accepté dans la tribu. Nous vivons dans un monde où cette situation est impossible. Notre biodiversité, been mixed elle vient up. du monde entier, elle a été totalement mélangée. Uh, the Nous parlons de creusets, populations où des gens vivent dans des endroits où ils n'ont jamais take, été précédemment. Moi-même, moi mon, mon père... Est, born, est né à Célande, d'une famille sri-lankaise, portugaise. Et, in Perth, in la, moi, j'ai terminé, je suis arrivé à Perth, je suis né à Perth, en Australie. We can't On ne peut pas uh, séparer les gens. It, complex, Nous vivons dans ce monde très compliqué. A, a, je le décris comme a, une, culture. une culture hybride. Mais je pense que la géographie est importante, le sol est important, la flore, la faune sont différentes dans chaque endroit. La santé de la Terre est construite sur la base de la petite échelle. Et pour être en bonne santé, construire et construire une, 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 une planète mondialisée, nous l'avons permis de façon spontanée parce que on ne peut pas défaire le creuset mmh. donc ce que nous faisons maintenant c'est utiliser notre intelligence pour créer de nouveaux espaces qui sont le reflet de la diversité des humains et le besoin de construire une culture affirmative de la vie sur toutes les parcelles de la terre dans, cette, dans ce livre à la fois essai philosophique et récit personnel hein, d'ailleurs l'ouvrage s'ouvre sur une somme biographie euh, où vous racontez l'expérience émotionnelle que ça a été pour vous cette réflexion où vous revenez sur les événements qui ont façonné votre rapport à la nature et à la vie depuis euh, votre enfance dans ce livre Glenn Albrecht vous appelez et vous concluez là-dessus euh, à euh, vous déclarer la troisième guerre mondiale ouverte une guerre des émotions pour terminer est-ce que vous pouvez nous dire à quoi elle ressemblera, cette guerre, et ce sera le mot de la fin Quelles seront les parties en présence, le champ de bataille, le but recherché La troisième guerre mondiale, la guerre des émotions, c'est une guerre entre les créateurs de terre et les destructeurs de la terre. Ceux qui affirment la vie et ceux qui la nient. Ça semble très binaire, mais ça l'est. Et je crois que maintenant nous sommes dans une situation où on peut voir très clairement les différences entre les émotions des positifs, des créateurs, des constructeurs, et les émotions des les destructeurs, de ceux qui sèment la désolation, les écocideurs. Il n'y a pas d'avenir dans les mauvaises émotions. Elle mène, mène to aux maladies, dysbiosis. elle they mène they à la dysbiosie, death. elle mène à la mort. Merci beaucoup à vous, Glenn Albrecht. Un livre, Les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde qui paraît aux éditions Les liens qui libèrent, traduit de l'anglais par Corinne Smith. Euh, ici, Votre voix en studio, euh, traduite par Michel Slotowski. Un livre que vous dédicacez à la génération symbiocène. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. J'invite tous les auditeurs à vous lire. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table qui a programmé cette émission, à Bruno Barada, Jean-Christophe Brianchon la Delacroix et Henri Leblanc, à ceux et celles qui l'ont préparé, Laura dutèche pérez Philomène Villard et Marceau Vassia. La réalisation aujourd'hui, c'était Éric l'Ancien avec Julien Calvas. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture. France Culture, l'esprit d'ouverture.